Attention. Deux manches pirates, le 32-16. Attention et bonjour Arnaud Demanche. Bonjour Apolline, comment ça va? La dernière fois on avait dit veste rose, hein, si vous repreniez le poste. Il va falloir retrouver une. Envoyez-nous. Si vous avez une veste rose, on est plutôt sur du XL, oui. On va pas se mentir. Arnaud, ce qui fait réagir ce matin au 32-16, c'est le bilan de cette marche contre la vie chère qui avait lieu hier. La NUPES revendique 140 000 participants. Bon, il y a un décompte indépendant qui donne plutôt 29 500 personnes. C'est toujours comme ça. C'est 1 million selon les organisations. 150 personnes selon le gouvernement ou les organismes indépendants. C'est un écart à la Jean-Claude Van Damme. Alors, une manif quand même assez suivie puisque Apolline de Malherbe y était. C'est sympa qu'elle vous ait accompagné, Charles. Mais elle aurait pu mettre une écharpe hein, parce qu'elle a crié « Sauvons la planète !» dans le froid et maintenant, bing, malade. Une manif assez calme, pas de voiture brûlée, pas de feu de poubelle. On a d'ailleurs un témoignage de Kevin, CRS, qui nous dit « L'événement n'a pas trop dégénéré, avec la pénurie de carburant, personne ne nous a envoyé des cocktails Molotov dans la tronche. Pas d'affrontement non plus entre la police et les manifestants, ce qui est normal. On a un peu marché avec eux, en fait, vu que nos salaires à nous aussi, ils sont merdiques. » En tout cas, sur le terrain du social, vous l'avez dit Charles, ça repart demain. Alors Philippe Martinez nous a appelés. Vivement que ça s'arrête et que le gouvernement entende nos revendications parce que moi j'en peux plus, hein. Les jours de grève, je suis deux fois plus crevé que d'habitude. Ce week-end, j'ai marché 9 heures dans le froid. Il faut coordonner les actions, écrire partage des profits sur 300 pancartes, surveiller la cuisson des merguez, organiser les répétitions de chant pour qu'on soit bien tous en si bémol majeur quand on entonne Bella Ciao autour d'un feu de pneus. Tout ça, c'est du travail. Alors, vivement la fin de la grève et le retour au boulot, qu'on puisse enfin se reposer. Bonne récupération à tous ceux qui ont marché hier. À tout à l'heure, Arnaud. On vous retrouve à 8h20 pour C'est tous les jours de manche sur RMC.